Alors bonjour tout le monde, eh ben lundi, petite vidéo de prédiction comme d'habitude. Avant de faire mes prédictions, hein, je voulais, comme beaucoup de personnes savaient, bon, en même temps je bois mon petit café, hein, pour ceux qui sont au café aussi. Hein. Comme je vous avais dit, samedi il y avait eu à Vervins, là, où j'habite, le grand débat national. Bon, j'avais tout prévu, mes petits papiers et tout, comme je vous avais fait voir. Hein. Mais c'est un foutage de gueule monumental, ce truc-là. Je m'y attendais, mais bon, voilà, c'est franchement un foutage de gueule énorme. Faut savoir que il y a plusieurs sujets. Bon, il y avait la transition écologique. Alors, la transition écologique, c'était dans une salle, parce que tout était divisé. Il y avait d'un côté de la transition écologique, de l'autre la fiscalité et dépenses publiques, dans l'autre il y avait je sais plus quoi, il y avait démocratie citoyenneté, et la quatrième je sais plus ce que c'était, enfin bref. Moi ce qui m'intéressait le plus c'était le côté fiscalité et dépenses publiques. Le truc c'est que il y a la question, si vous voulez, ils avaient un vidéoprojecteur qui nous diffusait les questions via un ordinateur. Il y avait une nana qui remplissait au fur et à mesure de nos suggestions, on va dire. Le problème, c'est que sur pas mal de questions, on nous donnait pas, on pouvait pas dire ce que nous on voulait. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de faire quatre, il y avait entre quatre choix, point. Fallait choisir l'un des quatre. Mais voilà. Par exemple, à un moment, il y avait une question, c'était, elle m'a choqué d'ailleurs cette question, dans quoi seriez-vous prêt à payer plus d'impôts? Je crois pas qu'on en paye déjà assez comme ça. Et il y avait il y avait quatre propositions. Voilà, point. Il fallait choisir l'une des quatre. Bon, bien entendu, vous avez dû comprendre que moi, j'ai quand même ouvert, entre parenthèses, ma grande gueule sur pas mal de domaines. Parce qu'à un moment, il y a la question, c'est comment pourrions-nous faire des économies? Bingo! Ce qu'il fallait pas dire. Et là, je vais demander que je les ai bien alignés. Hein. Bon, en même temps, il y avait quoi? Il y avait côté fiscalité, il y avait, on était, je crois qu'on était 4 ou 5 citoyens, et le reste, c'était des élus. Hein. On est une vingtaine. Bien entendu, moyenne d'âge, hein, on devait être. Il y en avait 3, 4 qui avaient mon âge, le reste, c'était des retraités. Hein. Bien entendu. Ah ouais, mais il y a ça, moi, voilà. Alors, il y a un truc qui m'a étonné. Je n'étais pas au courant. Il existe une taxe. C'est affolant d'ailleurs parce que la personne nous a expliqué, je suis resté un peu sur le cul d'ailleurs, une taxe archéologique. C'est-à-dire que le mec il a fait une véranda, on lui a foutu une taxe archéologique. Elle sert à quoi cette taxe? C'est s'il y a des travaux, puis qu'on tombe sur un village gaulois ou un truc comme ça? Enfin, j'en sais rien, c'est ce qu'il expliquait. Voilà. Bon. Moi, j'ai surtout parlé. Voilà, j'ai dit qu'il fallait quitter l'Union européenne pour économiser 13 milliards, ça n'a pas plu. À un moment, il y en a un qui parle d'évasion fiscale. Je lui dis, mais attendez, l'évasion fiscale, c'est bien gentil. Mais il y a aussi l'évasion industrielle. Quelle évasion industrielle? Bah, les entreprises qui quittent la France pour pouvoir aller s'installer ailleurs. Je vois, par exemple, je vais citer simplement deux cas. Le mec, il savait plus se foutre, quoi. Et je lui dis, mais il y a là, on a Bic qui va fermer. Il va mettre 133 personnes au chômage pour aller s'installer en Tunisie. Où j'habitais avant, en Eure-et-Loir, il y a eu l'entreprise Philips Dreux qui a fermé. Pour aller s'installer en Pologne. Alors que le département leur payait l'électricité, leur payait la flotte, leur payait
Les charges, il n'y avait que le salaire qui était que vivre se payer. Ils ont quand même été s'installer en Pologne. Ils ont mis 3 000 personnes au chômage. Et en plus, ils ont eu le culot de demander aux ouvriers d'aller s'installer en Pologne pour être payés 300 € par mois. Et là, je peux vous garantir que je le sais de source sûre, puisque ma marraine a passé toute sa vie dans cette entreprise. Elle a travaillé 35 ans de sa vie dans cette entreprise. Il lui restait que 5 ans à tirer pour prendre sa retraite. Ils lui ont proposé d'aller bosser là-bas pour 300 € par mois, à 5 ans de sa retraite. De qui se moque-t-on, quoi? Voilà, donc, à un moment, c'est pareil, il y en a un, il me disait, parce qu'on parlait d'argent, quoi. J'y mets déjà, faut peut-être arrêter de donner des avantages aux ex-présidents. Ça coûte quand même plus de 10 millions d'euros par an. Etc., etc. Donc, vous voyez, j'ai pas fait dans la dentelle, hein. Je peux vous dire que les élus me regardaient de travers, quoi. Ils n'ont pas apprécié la plaisanterie. Bon, en même temps, la politique, ça m'intéresse pas trop, hein. J'ai autre chose à faire que de la politique. Mais bon, voilà. Donc, pour vous dire que, entre nous, hein, le grand débat national, c'est une foutaise, mais monumentale. C'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. Bon, c'est pas le tout, hein. Mais bon, si vous voulez, hein, ça, ce que j'ai dit, hein, si vous voulez avoir plus de renseignements, bah, venez sur Cabinet Medium à partir de 14 h cet après-midi, on est ouvert, on pourra en parler. Si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai dit sur ce débat, n'hésitez pas à venir sur cabinetmedium.fr et on peut en parler ensemble. Hein. Je vous dirai tout ce que j'ai dit, c'est assez coton, quoi. Je peux vous dire que même le maire, à un moment, il était venu s'asseoir à côté de moi, il m'écoutait. Hein. Le maire de ma commune, il m'écoutait. Hein. Il me dit, mais putain. Il était étonné par tout ce que je savais. D'ailleurs, on a discuté juste avant, on a discuté un petit peu après, quand, au moment où je suis parti. Il m'a dit, je savais pas que vous en aviez tant de temps que ça à dire. J'ai dit, bah, je vous avais prévenu. Hein. Bon, allez. On va mélanger les cartes comme d'habitude. Puis je peux vous dire que, en dehors de la voyance, je suis quand même relativement grande gueule, quoi. D'ailleurs, ça m'a coûté quelques places dans ma jeunesse. En mélangeant, je vais vous raconter l'anecdote. Un jour, je travaillais dans un supermarché Hardricourt, justement, Intermarché Hardricourt, pour ceux qui connaissent la région parisienne. Hardricourt, c'est là où il y a eu Monsieur Bokassa qui a habité pendant un certain temps. D'ailleurs, je l'ai rencontré, Bokassa, justement, à Intermarché, il venait faire ses courses. Et le patron nous demande de faire l'inventaire général du magasin et il nous avait promis une grosse prime. Oui, en guise de grosse prime, on avait eu à l'époque 200 francs bruts, j'ai bien dit 200 francs bruts, de grosse prime. Et on a été un petit peu vexés quand même. Et parce qu'on a passé quand même 2 jours à bosser comme des fous. Et le truc, c'est que 15 jours après, il s'est pointé avec une nouvelle Mercedes, toute neuve. Et comme c'est moi qui ouvrais la porte le matin, souvent, il était fier de me faire voir sa nouvelle voiture. En rentrant dans le magasin, je dis, hé, les gars, venez voir où elle est passée, la grosse prime. Hein, elle est passée dans une Mercedes toute neuve. Bon, le patron a pas trop apprécié la plaisanterie. Je vous dirais qu'on ne l'a pas vu de la journée. Mais tant mieux. Alors, allez, on va commencer. Marino m'a donné le vin. La lune en verre. Martine, Monique, Simone, on est le 10. L'ermite en verre. Traca, Marilou m'ont donné le 9. Ouh, joli, les étoiles en droit. Ça, c'est intéressant.
Cindy, Laurent, on est le 3. Le monde en droit. Alors, Christiane, Marie, Françoise, Stéphane, Valé, Hubot, Gilbert m'ont donné le 7. Le pape en vert. Sylvie, Jean-Marie m'ont donné le 13. Le jugement en droit. Denise, Jérémy, Yolette, Dolly, Jean, Osner et Michael m'ont donné le 12. L'impératrice en droit. Marquise Amel m'a donné le 4. La papesse en vert. Et Josette m'a donné le 22. La force. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces cartes? C'est-à-dire que là, on arrive dans une situation où, bien entendu, il va y avoir pas mal de violence. Hein. On voit ça avec les manifestations tous les samedis. Le truc, c'est que ça va continuer à s'amplifier dans la violence. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que au départ des manifestations, tout va bien. Arrivé sur la fin de la manifestation, ça tourne en cacahuète. Comme je vous disais, hein, samedi dernier, enfin lundi dernier, le gros problème, c'est que il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à foutre de la manifestation. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire de la casse. Et ça, c'est bien dommage. Mais Monsieur Macron, dans l'histoire, lui, pour l'instant, il se sent protégé. Hein. C'est simple, l'Élysée, là, c'est devenu une forteresse. Hein. On peut pas s'approcher sans vous montrer patte blanche. J'avais vu moi un reportage en parlant de ça. D'ailleurs, j'avais vu un reportage il y a quelque temps où une nana qui habite justement dans la rue de l'Élysée pour pouvoir. C'est une actrice en plus, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Quand elle rentre de tournée ou un truc comme ça, le taxi est obligé de la laisser au début de la rue parce qu'elle est bloquée par des flics. Limite, si elle a le droit de rentrer chez elle, quoi. Elle est obligée de faire voir ses papiers d'identité, elle est obligée de faire voir, mais attendez, je ne bougeais pas, j'habite là. Voilà ma carte d'identité, voilà mon adresse. Est-ce que je peux rentrer chez moi, quoi? Ça devient vraiment aberrant. Moi, je vois Monsieur Macron toujours partir, hein, il n'y a pas de souci. Bon, bien entendu, les violences vont continuer à augmenter. À un moment ou un autre, les CRS, les policiers vont tellement en avoir ras-le-bol qu'ils vont se mettre en arrêt maladie, etc., etc. Parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont crevés. Vous imaginez tous les week-ends en train de se battre contre les gilets jaunes. Enfin, c'est même pas contre les gilets jaunes. Le problème, c'est qu'ils doivent suivre les manifestations, ils doivent, on va dire, gérer tout ça, et ça fait quand même depuis le 17 novembre que ça dure, où là, ça devient, pour eux, ça devient vraiment impossible, quoi. Ils ont plus de congés payés, enfin, ils ont plus de repos, ils ont plus de. Ils en peuvent plus, quoi. Ils sont à bout de nerfs et ils en peuvent plus. Donc voilà, ça évolue tout doucement, mais ça évolue. On va arriver à quelque chose, hein. Il y a la réussite quelque part par rapport aux étoiles. Quand je vous dis qu'il y avait de la violence, c'est que dans mes cartes, il y a la force. La force, c'est la puissance, c'est assez violent, quoi. En plus, j'ai le sentiment, moi, qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à se tourner un peu vers nous en disant, les Français, ils ont peut-être raison, hein. Et il y a beaucoup de pays qui vont agir comme ça. Alors, en l'occurrence, l'Italie, où là, ça commence à. L'Italie commence par rapport à Bruxelles, commence à monter de ton, hein. Dire voilà.
Donc ça, on reverra dans le deuxième tirage après. Donc, on arrive à voilà, à ce que bah, Monsieur Macron commence à être un petit peu, on va dire, il commence à en avoir sérieusement la casquette. Moi, je serais pas surpris d'entendre des démissions encore au gouvernement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a en même temps, il y a des vérités qui commencent à être dites. Il y en a qui vont me poser la question sur Benalla. Bon, Benalla, il est en prison. Bon, en plus, moi je veux bien, on peut pas appeler ça de la prison, hein. Monsieur, il a téléphone à disposition, il a une télévision, il a la télévision, il a même une cuisinière pour lui faire sa bouffe. Hein. Bah ouais, monsieur a sa cuisinière, des fois qu'on l'empoisonne. Hein. Le problème, c'est que Benalla, on va dire quelque part, il est protégé déjà par le gouvernement. Ça, on va pas se fausser la face. Mais le truc, c'est que monsieur a des dossiers sur le gouvernement, sur pas mal de personnes sur le gouvernement. Et il tient le gouvernement par les joyeuses, hein, en disant, si et seulement si, il m'arrive quoi que ce soit. Le dossier en question s'est envoyé aux journalistes. Il y a certains journaux, comme par exemple Mediapart, etc., etc., qui vont pas hésiter à prendre le dossier et de s'en servir. Et ça fait peur à Macron. Et ça, j'en suis sûr et certain. Hein. Ça fait quelque temps que j'ai ce ressenti. Et je peux vous dire que, à mon avis, le dossier, il est bien épais. Donc voilà ce que je voulais dire pour la France. Donc, bah Benalla, lui, de toute façon, à un moment ou à un autre, soit on l'aide à se suicider, et là, les histoires sortent, soit il va être relaxé en disant, attends, Alexandre, tu tiens un carreau, on veut bien te laisser libre, mais bon, tu dis rien, hein, tu parles de rien, tu fermes ta gueule, hein, on veut bien te même te filer 20, 50 000 balles par mois, mais tu dis rien. Hein. L'État, il tient l'État par les couilles, ce mec-là. Et il n'y a pas que lui, il y a Crasse aussi. Bon, je risque d'avoir des soucis, mais en tous cas, je vais voir les flics débarquer chez moi. Je vais me demander pourquoi. En même temps, j'aurais qu'à fermer ma grande gueule par rapport à mes ressentis. Bon. On va faire l'Europe. Je mélange en pensant à l'Europe. Donc, Stierlen, Nemo et Claudie m'ont donné le 5. La tour en verre. Effondrement. Corinne Josette m'ont donné le 15. 13, 14, 15. Les amants en droit. Christophe, Fabien m'ont donné le 14. 1, 14. La mort en vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à l'Union européenne, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se préparer. Oui, il est en l'occurrence, comme ma petite femme a dit, les élections européennes. Et à mon avis, comme je le dis, on va avoir de drôles surprises. Azalée, Roselyne, Élise, Denis et Yod m'ont donné le 11. La tempérance en vert. Jérémy m'a donné le 19. La papesse en droit. Frédéric, Violette, Audi et Kevin m'ont donné le 8.
Le fou en vert. Eliane, Christian m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le pape en droit. Nicole, Nanou et Loïc m'ont donné le 6. Le char en vert. Et Samuel m'a donné le 17. 17. Nous avons les étoiles en vert. Oui, mon bébé. Alors, je remercie Kate et puis Lug pour m'avoir donné le 2 et le 1, mais bon, j'avais assez de chiffres. Tu veux faire un petit coucou aux gens? Tu veux pas dire bonjour? Tu dis bonjour? Fais un petit coucou. Oui. Oui, alors c'est Ladybug, hein, Miraculous. Il est fou de ça, il est fou de ce dessin animé. Donc, moi, qu'est-ce que je ressens par rapport à l'Europe? L'Europe, pour l'instant, on va dire, tant qu'il n'y a pas les élections européennes, tant qu'il n'y a pas les élections européennes, ça va pas trop bouger. Et en même temps, il y a pas mal de discordances, en l'occurrence, bah avec l'Allemagne, avec ceci, avec cela. Hein, moi, je vois une complète division de l'Union européenne telle qu'il est maintenant. Attention, quand je dis dissolution de l'Union européenne, il y en a qui me disent oui, l'Union européenne n'est pas prête de se casser la figure. C'est la politique de l'Union européenne qui est maintenant qui va changer, qui va se casser la figure. Pour l'instant, il y a énormément de frustration par rapport à l'Union européenne. On nous impose des choses, etc., etc. Donc voilà, c'est. Moi, pour moi, il y aura du changement une fois les élections européennes passées. Là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui vont changer. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui veulent quitter l'Union européenne. Il y a déjà la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne d'une certaine façon. Il y a l'Italie qui veut quitter l'Union européenne. Il y a l'Espagne, c'est pas loin aussi, etc., etc. Il y a pas mal de pays qui disent, mais attends, l'Union européenne est en train de nous foutre dans la merde. Le seul pays qui s'en sort, c'est l'Allemagne. C'est étonnant, hein? Vous voyez, c'est un truc comme ça s'appelle, j'en parlais, on en parlait tout à l'heure. Ce que je ressens, c'est que l'Allemagne, étant donné qu'ils ont perdu deux fois contre la France, c'est-à-dire en 14-18, en 39-45, étant donné ils voient que pour conquérir la France, l'armée ne va pas, eh ben on va s'attaquer quelque chose d'autre. L'économie. En appauvrissant le pays, après c'est plus facile de le conquérir. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut voir en question. Est-ce que quelque part l'Allemagne ne veut pas se venger d'avoir perdu deux fois contre la France? Et en s'attaquant, bien entendu, à la finance. Ce que l'État d'accueil, à mon avis, ne comprend pas. Moi, c'est mon ressenti que j'ai, hein. Maintenant, je me trompe peut-être, hein, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà. Donc, faut attendre un petit peu les élections présidentielles, enfin les élections européennes, pardon, pour voir ce que ça donne. Mais il va y avoir beaucoup beaucoup de surprises après ces élections. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, ben, je vais en prendre, profiter pour un petit café avec vous. C'est bien beau de parler, mais ça donne soif. Donc bah, je vous lis peut-être à cet après-midi 14 h sur cabinetmedium.fr. N'oubliez pas, hein, je vous rappelle pour la énième fois que le chat public, l'inscription sont entièrement gratuits, que vous pouvez venir en tant qu'invité, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire.
qu'on va pas vous réclamer votre carte bleue ni quoi que ce soit. Au niveau de la voyance, c'est à vous de voir. Et c'est quand vous l'avez décidé que vous aurez de la voyance. Sinon, je vais pas vous en parler, quoi. Je suis pas là pour. Même si on a des grosses difficultés financières, qu'on est en train de se battre pour pouvoir faire quelque chose avec le site, et comme Virginie avec sa boutique. D'ailleurs, à un moment, j'en ai parlé vite fait, comme ça. J'ai dit, mais attendez, déjà, quand vous voyez que ma femme, elle vient, on a recréé sa boutique en ligne. L'URSSAF lui est tombée dessus. Elle a même pas encore vendu un produit qu'on lui réclame déjà 2500 euros de d'URSSAF. Là, Maria, vous rigolez. J'ai dit, bah non. Je peux vous faire voir les papiers, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, hein. Ah, oui, mais c'est pas normal. Bah oui, mais c'est pas normal, mais c'est comme ça. On n'a absolument pas d'aide. Il faut payer, puis démerde-toi. Donc, voilà. Mais bon, on en reparlera, si vous voulez, cet après-midi. Il n'y a pas de problème, vous passez cet après-midi pour en discuter. Je vous expliquerai deux, trois trucs que j'ai parlé, même si ça n'a pas plu à certaines personnes. C'était franchement folklorique. Et je peux vous dire que ma grande gueule, je l'ai ouverte.